L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Du Capricorne, un 17 janvier, prénom américano-anglais. Peut-être que mes parents voulaient me faire rêver dans les années 80. 26 ans plus tard, j'en ai déjà perdu un. Comment que je me sens? Pas très bien, peut-être comme maman vers la fin. Un seul responsable, une maladie incurable. Elle s'est battue, pourtant, sur son lit d'hôpital. Impuissante, j'ai pu la revoir inconsciente, apaisée. Elle était froide quand je l'ai touchée, serrée dans mes bras, voulant la réchauffer à ce moment-là. Hagard, je voulais me voir dans son regard. Mais je sais, maman, qu'on se reverra plus tard. Qu'on se reverra plus tard. Qu'on se reverra plus tard. Effacer tous les cauchemars et la détresse greffée dans nos mémoires, saturée de décès, le cancer on connaît. À quoi ça sert de voir les gens se dégrader? Laissons-les s'en aller. On court après le temps, mais finalement, c'est lui qui nous attend. Autant de pièges tendus qu'on affronte courageusement, autant de situations conçues pour nous laisser confus. Je veux rendre hommage aux vies vaincues. On court après le temps, mais finalement, c'est lui qui nous attend. Autant de pièges tendus qu'on affronte courageusement, autant de situations conçues pour nous laisser confus. Je veux rendre hommage aux vies vaincues. Entre mes joies et mes pleurs, la relation de ma douleur avec ma peur, attristée par tant de choses auxquelles j'ai assisté, incité à résister avec insistance, marmonner ces quelques mots sans assistance. Éternel, amoureux de la musique, une défense face au ciel, imaginant trouver des réponses. Mais la magie n'en perd pas, les blessures dans nos cœurs, malheureusement, un quotidien sans précédent. Un comédien courant après son inspiration et ce médecin qui régularise une respiration. À ce jour, je me penche un peu plus sur mes relations, j'y prête toujours un peu plus d'attention. Toujours un peu plus d'attention. Toujours un peu plus d'attention. Tout va si vite, mais ça vaut la peine de le vivre. Les petites querelles quotidiennes deviennent subjectives. On se précipite toujours vers la fin du livre. Tout va si vite, mais ça vaut la peine de le vivre. On court après le temps, mais finalement, c'est lui qui nous attend. Autant de pièges tendus qu'on affronte courageusement, autant de situations conçues pour nous laisser confus. Je veux rendre hommage aux vies vaincues. On court après le temps, mais finalement, c'est lui qui nous attend. Autant de pièges tendus qu'on affronte courageusement, autant de situations conçues pour nous laisser confus. Je veux rendre hommage aux vies vaincues. Si grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire.